Tenez-vous là. M'avez-vous apporté des écailles? Si vous en avez, je vous récompenserai bien. Je vous remercie pour votre gentillesse. Apportez-moi d'autres écailles. Thank you.
Satané bâtard. Vous êtes... le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobi dans... dans le temple. Et... fracassez-leur le crâne. S'il vous plaît.
As-tu vu le sculpteur récemment ? Oui. Tout ce que je sais, c'est ce que Dogen m'a dit il y a longtemps. L'héritage du dragon peut octroyer le pouvoir de résurrection. Mais ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Utilisé de façon répétée, il provoque une stagnation qui à terme atteint un seuil de débordement. Et cela provoque une maladie chez ceux qui n'ont pas le pouvoir. Une maladie qu'on appelle la peste du dragon. Il en savait long sur le sujet, mais il a tout de même échoué à trouver un remède. Pardonne-moi. Existe-t-il un moyen de soigner la peste du dragon ? Je ne sais pas, mais il faut y mettre un terme. Je ne suis pas sûre, mais la première chose à faire consiste à étudier les recherches de mon mentor, pour voir si je peux trouver un moyen. Merci. C'est ça, des graines de gourde ? Oui. Apporte-moi ça. Mets les graines dans la gourde. Parfait. Maintenant, tu auras plus d'eau médicinale dans la gourde. Quel étrange remède. Étrange ? Je ne me vexerai pas de ta remarque. Mais si ça fonctionne, c'est une bonne chose. Que ce soit étrange ou pas. C'est ce que mon mentor Dogen m'a appris. Je vois. Pense à m'apporter les autres graines de gourde que tu trouveras. Je pourrais encore augmenter le volume d'eau médicinale. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la peste du dragon. La stagnation se répand partout. Une maladie qui conduit à la mort. De quoi parlez-vous ? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu vois, je ne suis pas normal. J'ai du mal à parler. Maintenant, demande le reste à Emma. Qu'y a-t-il ? La prothèse de Shinobi. Apparemment, tu t'y es bien fait. Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Cela contient des méthodes pour mordre dans tes ennemis avec le croc que tu possèdes. En d'autres termes, des techniques de combat pour ta prothèse. Je vois. Je ne pensais pas que des techniques de prothèse seraient de nouveau utiles un jour. Mais j'avais tort.
Get!
Vous êtes le shinobi du jeune maître. Oui. À quoi servez-vous? Où étiez-vous quand les choses ont tourné à la catastrophe? Attendez. Dites-moi que ce n'est pas vous qui les avez menés jusqu'ici. Ils ont attaqué pile au bon moment. En temps normal, ces bandits n'auraient pas eu la moindre chance. Oui. Oui, c'était forcément vous. Mourez, sale traître! Le jeune seigneur est probablement toujours quelque part dans le manoir. Seigneur Shinobi, sauvez le jeune seigneur. Puisse la fortune du combat vous sourire.
Venez ! Venez ! Seigneur, vous êtes un pilleur aussi? Mon bon seigneur, vous ressemblez à un shinobi. Vous cherchez quelque chose? Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cet endroit en premier. Gardez les yeux bien ouverts, hein? Ah, au fait, alors que je venais ici, j'ai vu une pagode à 3 étages en haut d'une falaise. Une jolie pagode. Vraiment jolie. Je parie qu'on pourrait y trouver des trésors. C'est obligé. Enfin, c'est ce que j'en pense, en tout cas. Ah, mon bon seigneur, gardez les yeux ouverts, surtout. Alors que je venais ici, j'ai vu une
Oh.